cet immeuble il est trop beau. Ok, c'est vrai, ouais. Je me disais, mais quoi, je voyais. Tu connais? Non, non, ah si, ça me dit quelque chose. C'est genre un fisheye. Ouais. Putain, c'est iconique, ça lui. Non. Vas-y. Elodie, il y a de l'orage. Genre un vrai orage avec du tonnerre et tout. Est-ce qu'on va ouvrir une fenêtre et regarder l'orage? Est-ce qu'on va faire la danse du tonnerre? Depuis tout à l'heure, j'essaie de faire comme s'il se passait rien, parce qu'on vient d'avoir une réunion de 2 heures, donc j'essaie de me dire, j'ai du travail, il faut que je sois un petit peu productive, quoi. Mais j'ai un petit peu envie de crier, de danser. On va regarder l'orage. Oh là là, écoute ça. Oh là là, oh là là. Queen Camille, un avis sur cet orage? C'est de la merde. L'orage, c'est trop bien. Les meilleures danses, les danses de Mélodie quand il y a de l'orage. Oui. C'est un peu nul comme plan parce que c'est juste une grille en grand angle avec de la pluie qui tombe, mais sachez que ça nous rend très très heureuses. Pas comme Queen Camille qui ne sait pas les bonnes choses de la vie. Oui, l'orage. On veut des gros booms. Des gros booms. SVP et des flashs. Trop hâte de refaire des gifs de toi, Mélodie. Tout le temps cette danse malaisante des fesses. Ah oui, la fameuse danse des fesses. Je sais plus qui a dit, tu veux dire le twerk, et t'étais là. Non, vraiment pas. J'insiste sur le malaisante. Attends, je fais un... Tu peux faire une danse de la pluie? Oui. Bien, on va la faire à la pluie. On va lui dédier cette danse. Victor ça tiens, va, vas-y. Sale pluie. Continue, ça fait l'orage. Elle est si chou. T'es content d'avoir mis un crop top? Appelez-moi au mois de juin. Mes bras sont trop courts pour écrire. Quelle vie de merde. Coucou le vlog, nous sommes mercredi 9h23 du matin. Peu réveillée, comme tous les matins, car le sais-tu, je ne petit déjeune pas, je ne bois pas de café chez moi, je me lève le plus tard possible, je saute dans ma douche, je saute dans des fringues, je ne maquille pas, car c'est ma tête du matin. Ensuite, j'arrive au bureau, et là, je prends mon café, et là, mon cerveau se désembrouillardise, on va dire. Je suis autrice, attention. Donc ce matin, on arrive au bureau, comme d'habitude, naninana, tu connais la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une surprise qui nous attend sur la table de la cuisine. Oh là là, oh là là. Attention, petit test du moelleux de ces pancakes. Whip, whip, whip. J'ai mis mes doigts dessus, donc je suis obligée de le manger maintenant. On a donc une assiette énorme de pancakes extrêmement moelleux à manger. On va aller voir à qui on la doit. Coucou Lucie, bonjour. Pourquoi autant de pancakes? Parce que j'adore mes collègues. C'est chou. Merci pour les pancakes, ça Lucie. Ça me fait plaisir. Je me suis autoproclamée reine des pancakes, en fait. Donc c'est un peu pour asseoir ma dynastie. Non, tu vas devoir faire tout le temps, du coup, c'était non. Reine voilà. Des pancakes, c'est une fois par an, les gars. C'est la fête nationale. Non, mais, au tout début que j'étais là, j'en avais fait déjà un repas commun. Et je me suis dit, allez, une fois tous les 6 mois, c'est déjà pas mal. Merci, Lucie. Ça me fait plaisir. As-tu une astuce pour de bons pancakes? Les blancs à neige. Voilà. Oh. Et un peu de levure. Le moelleux s'explique. Peut-être que j'en ferai un article un jour pour la partager à la France. Oui, car à chaque fois, tout le monde me fait des compliments. Et je suis finalement la reine des pancakes. Donc. Voilà, bosser chez Mademoiselle, c'est parfois avoir des pancakes maison le matin, comme ça, en mode surprise. On peut dire que je suis de pire meilleure humeur maintenant. Coucou le vlog, je suis à un événement Naturalia avec Manon, qu'on te présentera. Bah oui, bientôt. Bientôt, on te fera une belle présentation, peut-être demain matin au bureau. Ouais, tranquille. On a fait une rencontre. Qui es-tu? Bonjour, coucou le vlog. Moi je m'appelle Sonia et je bosse pour Naturalia. Je m'occupe des fruits et légumes. Et je suis trop contente de voir l'équipe de Matt parce que je suis fan depuis des années. Je vous aime. Coucou le vlog, je viens de rentrer de la soirée Naturalia et il y avait un petit atelier proposé qui était beaucoup trop cool. J'ai brodé une culotte menstruelle et c'est 2 premières pour moi car je n'ai jamais testé ni 2 culottes menstruelles ni je n'ai fait de broderie dans ma vie. J'aime bien tout ce qui est DIY et tout, mais j'ai 0 skills en couture et trucs comme ça. Et je suis contente parce que du coup, la personne qui animait l'atelier m'a bien guidée et je suis plutôt fière. Alors là, vous vous dites peut-être, mais quelles sont ces 3 gouttes de couleurs différentes? Eh bien, c'est de l'art contemporain et conceptuel, puisqu'à la base, c'était une petite fleur. On voit un peu mon dessin de base. Et je me suis dit que j'allais désolidariser les pétales pour un rendu plus... voilà, le printemps, l'éclosion, tout ça. J'ai un peu couillé sur la dernière, là. Mais je suis plutôt contente. Et en plus, c'est l'occasion de tester des culottes menstruelles, car je suis, moi, depuis 2 ans, j'utilise des serviettes lavables. Coucou le vlog, je te retrouve avec cette jarre à défi qui est la jarre qu'on a remplie collaborativement avec des lectrices et des lecteurs pour remplir. Oui, c'est dans le titre, pour remplir. On a rempli pour la remplir.
Je suis en phase de digestion, excusez-moi. En fait, c'est plein de petits défis pour quand on a des invités à la rédac, car il y a toujours du beau monde. Des lecteurs, des lectrices, des youtubeurs, des youtubeuses, des livreurs de la poste, plein de gens qui passent dans cette rédac. Et je vous propose de vous présenter notre dernière arrivante à la rédac, plus particulièrement à la régie. Elle est sympathique comme tout, vous allez l'adorer. Manon ! Hello ! Coucou le vlog ! Coucou le vlog, c'est son premier coucou le vlog ! Je travaille à la régie, je fais en sorte que vous ayez des chouettes marques, des choses de chouettes marques. On crée des contenus un peu sympas, je m'occupe de ramener des sous. Oui, trop bien ! C'est toi qui inaugure la jarre. Ouais, non, faut pas tricher, c'est très dramatique, genre c'est une énorme jarre. C'est le truc le plus fichat. Il y a de tout. Oh mon dieu, danse un slow avec Léo. Danse un slow avec Léo. Est-ce qu'on t'a présenté Léo ? Oui, je l'ai vu la première fois que je passais un entretien. C'est quand que je peux l'avoir en vrai dans les bureaux de Mademoiselle ? Bah écoute, tu veux que j'envoie un DM sur Insta ? Ouais. Bah écoute, je lui demande, il viendra faire un défi lui aussi. Voilà. Genre peut-être qu'il lui piochera, fait un slow avec Manon. Inch'Allah. Salut. Je suis Major et je fais du roller derby. Et qu'est-ce que tu viens faire chez Mademoiselle ? Je viens enregistrer un super podcast qui s'appelle Les Conquérantes. Voilà, et donc on pourra t'écouter normalement lundi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup d'être venue. Bah c'est un plaisir. Et soigne-toi bien du coup, parce que le roller derby fait des ravages. Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je me suis fait les croisés aux États-Unis. C'est classe quand même. C'est classe. C'est vachement classe quand même. Coucou le vlog, c'est vendredi et tout le monde s'engueule parce qu'on essaie de jouer au Pictionary, mais personne n'a les mêmes règles. Vous essayez de jouer au Pictionary, c'est long. Il est bientôt 14h, on va devoir retourner travailler. Ce tableau est toujours immaculé. Allez, Claude, allez, Claude, Claude, une girafe, le royaume. Kalindi, vraiment, pour elle, le jeu, c'est du loisir. Hein. On n'est pas là pour gagner, on se détend. C'est un que j'ai fait l'année dernière, essayez de vous souvenir. Vous êtes prête ? Ouais. Ouais. Des escaliers ? Une tierce. Croix, Jésus. La mort ? La descente aux enfers. Un bélier, ça, c'est un bélier. Ça n'a aucun sens. Un bélier ? Hop, c'est elle a des gros seins. C'est bien. Non mais, s'il vous plaît, réagissez en commentaire. Mais non mais vous êtes nuls, qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un bouc. C'est un bélier. Oui, c'est une chèvre. Mais pourquoi tu parles? Mais la chèvre de monsieur. Ah c'est la... Ah, c'est la cour des miracles, c'est C'était le fameux escalier qui descend à la cour des miracles, que tout le monde connaît. Non mais c'est très clair, hein, tu descends l'escalier jusqu'à la cour des miracles. Là, qu'est-ce que tu trouves? Une chèvre et une femme avec un tambourin, Esmeralda, bam, bam. Ça me semble tout à fait logique, mes amis auraient trouvé en tout cas. Ils auraient trouvé à l'escalier, tes amis? Non, ils ont... C'est vraiment, l'étape 1, c'était l'escalier qu'elle finit, ça aurait pu être le tambourin. J'ai fait le tambourin, d'abord. Elle a fait le tambourin en dernier. Ok, une piscine. Que fait-elle? Twister! Twister! Mais moi, c'est Twist que j'avais mis! Twist. Ah merde! Voilà! Mais en quoi ça c'est? Un mont Saint-Michel? What the fuck? Non, un Twister? Une corde à sauter? Un trou? Kalindi, au fond du gouffre! En plus, elle l'a mis hyper bien. Bah ouais, je sais pas. Franchement. Tu sautes dans le trou. Sur quoi on saute, Kalindi? Un trampoline. La mère de Kalindi qui met les trampolines avec un homme de Kalindi dans la chatte. Je n'en peux plus. Attends, ça va t'amuser. Camille a un coup de mou, je lui dis ce qu'il faut faire quand on a un coup de mou. C'est faire un tour en balle. C'est élégant. Et efficace. Vachement mieux, c'est fou, non? Ok. T'as compris comment il faut faire, hein? Ouais. Attends, y a quelqu'un qui veut ouvrir la porte. Attends. Fais-le. Oh, mais c'est tranquille. C'est pas du tout comme ça. Y a Marie qui te cherche. Y a Marie qui voudrait que tu travailles, juste. Moi? T'es nulle. Non, allez, c'est bien, ma femme, c'est bien. Allez, t'es là, allez, là. Ça m'aide, t'es genre... Mais j'en peux plus de ces meufs, mais... Rien ne va dans cette entreprise. C'est vrai que ça va mieux. Ça va mieux. Je t'ai dit, c'est marrant comme tout. J'ai l'épilé. Cher Caro. Oui. Je vous entends faire des bruits bizarres depuis tout à l'heure. Que se passe-t-il? C'est quoi là?
il nous dérange. C'est quoi? Coin-coin. Mais tu l'as présenté dans vous avez déjà tu l'as embauché. Vous avez déjà présenté Coin-Coin. Il fait partie de la famille. Tu l'as pas présenté. Non, je pense pas. Il est toujours là. Présente-toi, Coin-Coin. Moi, c'est Coin-Coin. Je suis à l'ours en peluche. Je suis doux. Donc, si tu veux m'en dire aussi, c'est moi aussi dans les commentaires. Voilà, c'est voilà. Coin-Coin. Il est toujours là pour me rassurer. Et c'est lui qui fait des bruits chelous depuis tout à l'heure. C'est lui qui fait des bruits chelous, évidemment. Moi, je suis normale. C'est Coin-Coin. C'est lundi midi. Et comme tous les lundis midi jusqu'à lundi prochain, on regarde Succession au bureau avec Fab Flo. Bonjour Fab Flo. Pas de spoil. Aujourd'hui on est avec Soraya. Bonjour Soraya. Soraya, vous la connaissez si vous écoutez Laisse-moi kiffer parce que je parle tout le temps d'elle. Parce que c'est ma super pote. Et aussi elle a fait un sister sister avec ma super pote Fanny. Va le voir, c'est dans la description. Regarde Succession, c'est trop bien. C'est sur OCS. Bisous. Bonjour Fabrice Florent. Tu te connais depuis quand? 7 ans. Ouais, 7 ans et demi quand même. Et demi. Avril 2012. On est en octobre 2019. Je pense qu'on peut dire qu'on est des personnes plutôt connectées, plutôt digitales, plutôt en phase avec notre époque. Mm-hmm. Du coup, est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi je viens de recevoir une invitation Facebook de toi, alors qu'on est quand même amis Facebook depuis 7 ans et demi? Regarde comme elles sont choquées. Choc! Choc! Ça se fait app! Pourquoi ça se fait app? Bah parce qu'on devrait déjà être amis Facebook et que. Alors dans mon souvenir, on l'était jusqu'à il y a 3 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans? Alors, il y a 4 ans, c'était l'anniversaire de Mademoiselle, comme tous les ans en octobre depuis 2005. Mm-hmm. On a fait un truc un peu spécial pour cet anniversaire-là. Un jeu de piste. On a fait un jeu de piste, c'était trop bien. Mm-hmm. Celles qui sont sur Mademoiselle depuis un petit moment et qui étaient actives sur le forum, surtout, se rappellent probablement de ce jeu de piste des Mimi Illuminati. C'était ça leur... le nom de code. Pendant ce jeu de piste qui s'est déroulé sur le forum, mais aussi sur le site et IRL, puisqu'on a fait aller des gens dans des cabines téléphoniques, etc. Mmh. Le scénario qui avait été créé notamment par Miquette et une autre Myriam qui était chez Mademoiselle à l'époque, c'était que je prenais le contrôle de Mademoiselle en faisant petit à petit disparaître le reste de l'équipe. Il fallait que je me débarrasse de Fabrice Florent, car c'est la pire personne, et donc je me débarrassais de lui en premier, car il a beaucoup trop de pouvoir. Et du coup, pour pas que les gens qui enquêtent se doutent qu'il y avait Anguille sous roche et que tout ça n'était une fiction, il m'a unfriend sur Facebook. C'était il y a 4 ans. Le comique de répétition, ça la beauté de l'humour selon Fabrice Florent, c'est que ça fait donc 4 ans que tous les ans à la même date, il me re-unfriend et il me refriend sur Facebook. Donc ça fait 4 ans qu'on est amis Facebook depuis un an et que tous les ans à la même date, j'ai un souvenir Facebook qui me dit « Votre amitié avec Fabrice, fêtez votre première année d'amitié avec Fabrice Florent » et que du coup, j'y envoie, il dit « Ah, c'est la date, très bien, il est temps, il me... » unfriend et il me refriend juste pour qu'on soit amis depuis un an, toute la vie. Et écoute, j'espère que ça continuera. Tu penses aussi que tu te lasseras un jour? Non. Est-ce que bien. Si je te l'avais pas envoyé, tu t'en serais souvenu? Bah là, il vient d'arriver par exemple, donc okay. je l'aurais eu. Merci Facebook de rappeler aux gens que les blagues les meilleures sont les plus longues de toute évidence. Nous avons monté. Est-ce que je vais l'ajouter? Est-ce que je vais accepter son invitation? Bah après, je l'aime bien. Nous avons ajouté une vidéo de pour ah oui anniversaire, vraiment on déteste anniversaire. Arrêtez anniversaire vraiment. Joyeux anniversaire. Donc à chaque fois que j'ai une vidéo d'anniversaire avec Mimi, je décide. Joyeux anniversaire. Attention, je vais être ami Facebook avec Fabrice Florent. Je pèse mon gars. Oui. Hop là. Talent. Invitation acceptée. Rendez-vous dans un an pour la même séquence de vlog probablement. Allez, bisous. Salut. La danse des fesses assises. Là, je suis plutôt. Pourquoi donc la danse des épaules, Mélodie? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je vais publier mon premier article, non pas que c'est le premier que j'écris, mais je vais appuyer sur le bouton publier pour la première fois et j'ai l'impression d'être une grande personne. Oh my god, c'est un peu comme lancer attends, une fusée, tu vois. Je sais même plus où il est. Attends, comment on fait cet été? Là, non? Non, oui. Ah oui, c'est fou. Il est quand même en gros. Mais du coup, c'est bon, je vais rien faire bugger, j'ai le droit. Oh non, j'ai appuyé sans faire exprès. J'avais le droit, n'est-ce pas? Oui. Écoute, tu vois, c'est le destin qui t'a fait appuyer. Et là, ça charge. Et là, ça charge. Internet ne va pas toujours aussi vite qu'on le voudrait dans la vie. Ce qui est chiant quand on travaille sur Internet. Ça peut pas tout perdre, on est d'accord. Je pense que t'as perdu tout, mademoiselle, là. Ok, parce que j'ai un peu les yeux mouillés, là. Ah, c'est publié, t'as vu? Ça y est. Et si tu cliques sur le lien... Mais attends, mais où ça, là? Ouais. Mais du coup... Oh, ah ouais, c'est ton article, il est sur mademoiselle.com. Oh, incroyable. Waouh. Est-ce que tu veux pitcher ton article au vlog du coup? Oui. Et coucou. En fait, ça fait quelques temps que je fais des sélections de comptes artistiques Instagram, car c'est ma passion vraiment. Je passe ma vie à scroller sur Insta pour chercher des comptes qui m'inspirent au quotidien. Et du coup, bah, j'avais envie de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker en masse. Coucou le vlog.
Alors hier, Alix, elle m'a dit qu'elle allait faire un sport qui s'appelle le fit ballet. Et aujourd'hui, elle a décidé de me faire une petite démonstration. Allez, tous ensemble, gauche, droite. C'est du fit ballet. Allez, tous ensemble, les filles. On met les genoux comme ça. Non, en vrai, Alix, explique-nous un peu ce que c'est la vérité. Alors, le fit ballet, il n'y a pas du tout besoin de ballet. Par contre, ça fatigue au moins autant. Mais en gros, c'est de la fitness mélangée à de la danse classique. Voilà, c'est tout simplement ballet. B-A-2-L-E-T. Voilà. Et non pas B-A-L-L. Pensez à l'orthographe. Ça sauve des vies, hein. Les homonymes, tout ça. Tu veux pas monter un studio de fit ballet B-A-L-L-E-T. Bah, franchement, ça peut cartonner. Vu ma démo, je pense que c'est bah bon. Ouais, d'où ? On va envoyer ça à des boîtes de production. Envoyez ma vidéo à des boîtes de production. Alix, prof de fit ballet. @mademoiselle.com. Voilà, envoyez des pour et des contre. Est-ce que à chaque fois que t'es dans le blog, tu grattes un truc ? À chaque fois, t'es là. Abonnez-vous. Envoyez-moi des cadeaux. Abonnez-vous à mon Instagram. Offrez-moi des cadeaux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, c'était pour vous dire que ma bronchite se passe très très bien. Pas d'inquiétude. Je prends du mucomiste. Au revoir. Coucou le vlog. Aujourd'hui, j'ai donné des fossiles à Alix. Je vous laisse admirer le résultat parce que ça se passe de mots en fait, ça se passe de commentaires. Regardez-moi. Je suis Nicki Minaj. Hello, c'est Nicki Minaj. Et tu twerk. Et tu twerk. Regardez-moi. Alors, je suis pas une star de la télé-réalité maintenant. Bah des cils. Salut bébé. Bah des cils. Est-ce qu'avec mes lunettes ça rentre ? Vas-y, on essaye, on essaye. En attendant, je suis toujours en appel avec la CAF. Les pauvres, s'ils savaient ce qu'ils ratent. Est-ce que ça frotte contre je les crois que ça frotte. Je sais pas, quand tu lèves les yeux. Quand tu ouvres les yeux, ça dépasse. Je regarde comme si je pouvais me voir dedans, mais pas du tout. Ah, mais j'ai éclaté. Lucie, t'es pas dans ton personnage. La danse de fin de vlog la prend. C'est genre, t'attends, personne ne t'aime. Ich bin allein und frag warum. Die Tage gehen. Und ich frag mich. Ich rief dich auf. Retrouvez le blog. Warum? Tous les vendredis à 18h sur mademoiselle.com. Et le dimanche sur YouTube. Bisous le vlog, bisous. Bye. Bye le vlog.